Bonsoir, le journal de TV 78 pour faire le tour de l'actualité locale. Bienvenue si vous nous rejoignez dans cette édition du mercredi 23 décembre. Voici les titres. Les fêtes vont bientôt débuter, une période où la vigilance est de mise pour qu'elle reste un moment joyeux. Avec le sapin, ses décorations électriques et l'usage notamment de multiprises, les risques d'accidents domestiques augmentent. Quels sont les pièges à éviter? Le lieutenant-colonel Sébastien Frémont, pompier des Yvelines, est notre invité. Rencontre dans cette édition avec Céline Juret, elle fait partie des 200 chauffeurs de l'entreprise Carperrier. Cela fait 3 ans que la conductrice assure le transport des passagers à 50 ans en Yvelines. S'installer au volant tous les jours était un rêve pour elle. Et puis nous prendrons des nouvelles de Louis Burton, le skipper de Rambouillet, engagé dans son 3e Vendée Globe, tour du monde à la voile, au sud de l'Australie. En ce moment, il s'apprête à passer Noël seul en mer. Cette actualité, avant de développer ses titres, la plainte déposée par la principale du collège du Bois d'Aulne à Conflans-Sainte-Honorine, là où enseignait Samuel Paty, le professeur assassiné il y a 2 mois par un terroriste. Une plainte pour outrage et menace de crime ou de délit contre personne chargée de mission de service public. L'établissement a reçu un message vocal menaçant. L'individu qui en est à l'origine a accusé le collège de laxisme dans la défense de l'enseignant décapité. Un message mêlé d'insultes et de menaces. Et début décembre, l'avocate de la famille de Samuel Paty déplorait que les institutions n'avaient pas su protéger le professeur, ce contre quoi l'éducation nationale s'est toujours défendue. Chaque année en France, les accidents domestiques causent la mort de 20 000 personnes. C'est la 3e cause de mortalité chez les adultes, la première chez les enfants. Et en cette période de fête, les risques sont accrus. Mais des gestes simples permettent d'éviter le pire. On parle de ces gestes et aussi de cette thématique avec le lieutenant-colonel Sébastien Frémont. Bonsoir. Bonsoir. Chef du groupement prévention au SDIS 78. Alors le SDIS, c'est le service départemental d'incendie et de secours. Déjà, s'il y a un message à passer aux Yvelinans cette période de fête, c'est la vigilance qui est de mise. Bien sûr, la vigilance et tout particulièrement à l'égard des enfants. Ne jamais laisser des enfants sans surveillance, s'agissant d'enfants en bas âge, bien entendu. Ne jamais laisser d'allumettes ou de briquets à portée de main, a fortiori en cette période de fête, avec le sapin dans le salon. Le sapin, il suffit de quelques secondes pour qu'un enfant manipule des allumettes et que ce soit le drame. Mettre le feu au sapin, un sapin, c'est une torchère finalement. Ça s'enflamme quasiment instantanément et en une dizaine de secondes, c'est une véritable torchère et ça transforme le logement en un brasier incontrôlable. Est-ce que c'est une période, cette période des fêtes, où ils sont accrus, ces accidents domestiques? Il y en a de plus? Il y en a plus en cette période? Il n'y en a pas forcément plus. En revanche, il y en a bien sûr qui sont liés au déroulement des fêtes. Je pense par exemple à l'usage de bougies décoratives. C'est joli, certaines sentent bon. Pour autant, il faut être extrêmement vigilant sur l'endroit sur lequel, le support sur lequel on pose ces bougies. Ne jamais, là non plus, laisser des bougies qui sont des flammes nues à portée des enfants. Ne jamais les poser sur des supports qui sont inflammables. Et a fortiori, j'en reviens toujours au même sujet du sapin en ces périodes de Noël, ne jamais, au grand jamais, laisser des bougies ou positionner des bougies à proximité immédiate, ni du sapin, ni d'une crèche. À l'intérieur d'une crèche, ça peut faire joli. L'expérience a démontré il y a quelques années de cela, où j'étais en responsabilité d'une intervention pour un feu dans une habitation, où le feu est précisément parti d'une bougie qui avait été posée dans la crèche et qui a mis le feu à cette crèche, qui elle-même a mis le feu au sapin, et ça a terminé en feu de maison. D'autant qu'il faut dire, les services de secours, les pompiers des Yvelines notamment, ont pas mal de travail en ce moment avec cette crise sanitaire. Et ce qu'il faut dire, c'est avec des gestes simples, on l'a compris, on peut éviter le pire et éviter aussi éviter de saturer, on va dire, les services de secours. C'est vrai pour tout type d'urgence, effectivement, aussi bien dans le domaine sanitaire que dans le domaine des accidents domestiques, plus particulièrement des incendies. Vous évoquiez à l'instant le risque électrique également, le recours à des multiprises. Ne jamais, là non plus, brancher une multiprise sur une autre multiprise qui permet de multiplier les possibilités de branchement d'appareils. Parce que finalement, aujourd'hui, les guirlandes électriques, c'est plus forcément le premier problème, puisqu'elles sont en LED, donc il y a moins de risques. Là, c'est les multiprises, les rallonges aussi, où il faut être vigilant. Exactement. Les guirlandes, désormais, c'est de la basse tension. Il y a peu de risques liés à ces guirlandes électriques dans les sapins, notamment. En revanche, il y a tout un tas d'appareils électriques qui, eux, peuvent être branchés sur des multiprises et qui, lorsqu'on les branche de façon trop importante sur une même prise, ça occasionne une surchauffe.
Et dès lors que le courant électrique va forcer et va occasionner cette surchauffe du conducteur, et à ce moment-là, on est potentiellement à l'origine d'un incendie d'origine électrique qui va, comme le sapin finalement, se propager, risque de se propager à la totalité du logement. Donc vigilance sur les multiprises, on l'a compris. Vous parliez aussi des bougies, pas de bougies à proximité du sapin. Aussi veiller au support sur lequel on va poser cette bougie. Vigilance aussi sur l'endroit où on va placer son sapin dans la maison. Il ne faut pas qu'il soit à proximité de la cheminée, de lampe aussi. Bien sûr. Un sapin, c'est extrêmement inflammable. Ça l'est un petit peu moins si on a recours à un sapin de type Norman. Ça l'est beaucoup plus si on a recours à un épicéa. Et c'est la raison pour laquelle, effectivement, il faut l'éloigner le plus possible d'une cheminée quand on en dispose dans son logement, y compris des cheminées décoratives. On a de plus en plus recours à des cheminées à l'éthanol. Cette flamme est extrêmement vive, on la voit pas forcément. Par contre, ça génère un rayonnement très important et qui est là aussi susceptible d'enflammer le sapin s'il est à proximité. Donc on éloigne bien le sapin de la cheminée, a fortiori s'il s'agit d'une cheminée à foyer ouvert, parce qu'il peut y avoir des projections d'escarbilles, hein, c'est des morceaux de bois enflammé, qui, si elles tombent sur le sapin, ben, on imagine volontiers, bien sûr, le résultat auquel on arrive très rapidement, et en l'occurrence, la torchère dont je parlais tout à l'heure. Tous ces petits gestes dont on vient de parler s'adressent alors aux adultes qui nous regardent. Vous le disiez aussi, ce qui est important, c'est faire de la prévention auprès des enfants. Il faut expliquer aussi des gestes simples aux enfants, les surveiller également un peu plus. C'est fondamental de faire de l'information à l'égard des enfants, je dirais même l'éducation finalement, hein, des risques à l'égard de ces enfants, parce que c'est par eux que le message passe, on le voit bien au travers des messages de la sécurité routière. Essayez désormais, quand vous avez un enfant dans la voiture, de ne pas attacher votre ceinture de sécurité. C'est l'enfant qui, en général, vous le rappelle. Et bien là, c'est pareil. Il faut arriver dans le domaine des dangers, des accidents domestiques et des incendies plus particulièrement, à éduquer nos enfants de telle façon à ce qu'ils soient finalement le rappel nécessaire dans l'environnement familial. Un dernier mot, même en ayant respecté tous ces bons gestes, le risque zéro n'existe pas. S'il y a un feu qui se déclare chez nous, que doit-on faire ? Alors, avant tout, avant même que le feu se déclare, il faut absolument installer un détecteur de fumée chez soi. D'abord, un, parce que c'est la loi, c'est une obligation, et deux, parce que ça sauve réellement des vies. Un détecteur de fumée, ça va sonner dès lors que ça va détecter dans l'environnement une opacité dans l'air, et donc de la fumée d'incendie, par exemple. À partir de là, si l'incendie se déclare dans la nuit et que vous êtes endormi, ça va vous réveiller et ça va permettre à vous-même et à votre famille de se sauver avant qu'il y ait un drame humain. Ça n'évitera pas l'incendie, en revanche, ça évitera qu'il y ait des morts. Merci Sébastien Frémont, chef du groupement Prévention OSE 1078, je le disais, service départemental d'incendie et de secours des Yvelines. Et on parlait prévention auprès des enfants. Je rappelle que l'an passé, vous avez publié avec Anne-Sophie Baumann « Les dangers de la maison, je fais attention », qui aborde la question des accidents domestiques pour les enfants. Ça peut être d'ailleurs un très bon cadeau de Noël. Merci d'avoir été avec nous. Merci à vous. Et puisqu'on parle d'accidents domestiques, vous parliez justement de ces détecteurs de fumée. En cette année 2020, ce sont les 5 ans de la mise en application d'un texte que vous connaissez très bien, Sébastien Frémont. C'est la loi Morange, du nom de cet ancien député des Yvelines, Pierre Morange, qui en est à l'origine. La réflexion de cette loi est née après un drame qui s'est noué dans les Yvelines au début des années 2000. Les explications d'Éléonore Sinoquet. 2020 marque les 5 ans de la mise en application de la loi Morange qui a rendu obligatoire l'installation de détecteurs de fumée dans les lieux d'habitation. Son nom vient de l'un des deux parlementaires qui a proposé le texte de loi, l'ancien député de la 6e circonscription des Yvelines, Pierre Morange, et actuellement maire de Chambourcy. Le but, éviter des événements dramatiques à cause des incendies. C'est d'ailleurs un drame qui a conduit les deux députés à proposer le texte de loi. Dans la nuit du 20 avril 2002, Josiane Bossico perd sa fille Julia, alors âgée de 17 ans, dans l'incendie d'un pavillon à Chavenay. Le député des Yvelines se souvient. Je dirais que ça devrait être la loi Bossico. Josiane Bossico, qui est une mère de famille, c'est une mère courage. J'avais été tout à la fois impressionné par la générosité, le courage de cette femme qui a fait su dépasser sa douleur pour en faire un combat, le combat de sa vie, au profit de tous. Et sur le thème un peu de « plus jamais ça ».
Le 8 mars 2015, le combat de cette mère de famille aboutit à la loi Morange qui prévoit l'obligation d'au moins un détecteur de fumée dans chaque logement. Le propriétaire du bien en a la charge. Dans le cas d'une location, l'entretien, comme le changement des piles par exemple, c'est le locataire qui doit s'en acquitter. Mais selon l'ancien parlementaire yvelinois, cette obligation ne serait pas respectée à 100%. Le taux d'équipement tourne aux alentours de quelques 65%, dit-on, le chemin reste encore à parcourir. Et je rappelle que la proposition de loi que j'avais déposée, ça n'était pas au propriétaire d'avoir la responsabilité de la mise en œuvre de ce détecteur autonome de fumée. C'était au locataire, plus exactement à l'occupant d'un bien. Bien qu'il ne soit plus aux affaires parlementaires, Pierre Morange aimerait tout de même que la loi évolue pour passer d'environ 65% à 100% d'équipement des logements. Le minimum, c'est de lier la police d'assurance sinistre incendie à la présentation de la facture d'acquisition du dispositif. Si déjà on avait cela, alors il y aurait toujours le sujet de l'entretien, du changement des piles, ainsi de suite, mais si déjà il y avait cet élément-là, on ferait un grand bond en avant. Grâce à cette loi Morange, le dispositif de détecteur de fumée aurait permis de réduire de 25% par an la mortalité due aux incendies domestiques. La bonne nouvelle avant les fêtes pour les salariés de Permaswedge au Claye-sous-Bois. Les salariés du groupe spécialisé dans l'aéronautique ont obtenu de leur direction la mise en place d'une activité partielle de longue durée. Elle sera effective pendant les deux prochaines années. Les 155 employés vont dorénavant travailler à 60% et seront en chômage partiel les 40% du temps restant. Depuis le mois de septembre, ils étaient en grève contre un projet de délocalisation dans la Drôme et contre la suppression de 63 postes via un plan de sauvegarde de l'emploi. La délocalisation n'est plus du tout à l'ordre du jour. De quoi satisfaire le maire des Claye-sous-Bois, interrogé par Éléonore Sinoquet. Ça aurait été une entreprise fermée sur le site de la commune. C'était le deuxième employeur de la commune, donc c'était une situation qui n'était absolument pas favorable pour notre commune. La situation aujourd'hui par rapport à ce que nous avons craint il y a quelques mois, c'est une amélioration, puisqu'il y a quelques mois, on nous avait parlé d'une délocalisation et donc d'une fermeture du site sur les Claye-sous-Bois. J'avais moi-même rencontré le directeur général de Permaswedge et nous avions dialogué sur toutes les conséquences d'une délocalisation. Je lui avais attiré l'attention sur tous les coûts liés à une délocalisation. Par rapport à la situation craint il y a quelques mois, je dirais que c'est une situation beaucoup plus acceptable. Transport, les cars Perrier emploient 200 chauffeurs, dont une quinzaine de femmes. Depuis 2013, elles sont de plus en plus nombreuses à prendre place derrière le volant. Parmi elles, Céline Juret, qui exerce sur le secteur de Saint-Quentin-en-Yvelines depuis 2017. Une rencontre signée Mélanie Poquet. Elle a atteint son but depuis 3 ans. Après plusieurs années de travail de bureau, Cécile Juret a décidé de se lancer. S'installer tous les jours derrière un volant était un rêve. Elle travaille pour les cars Perrier depuis 2017. Le fait de rendre service aux gens, c'est une motivation que j'ai depuis tellement longtemps que j'ai sauté le pas pour le concrétiser. Le déclic, c'est un changement de situation professionnelle, des rachats successifs. Le tout cumulé a fait que je me suis dit, depuis que je voulais faire ma formation, je vais sauter le pas et j'ai fait ma formation. Restez à côté, je vous le dirai. Restez pas trop loin, je vous dirai au dessin. Ok, merci beaucoup. Je vous en prie. Des tournées du matin, des tournées d'après-midi, Cécile s'adapte aux heures et à ses passagers pour lesquels elle n'hésite pas à être au petit soin. Si jamais je ne suis pas bien stationnée, vous descendrez par l'avant. Oui, hein. Oui, je descends par l'avant, c'est plus prudent. Ce qui fait que c'est important, c'est notamment les personnes âgées qui ont du mal éventuellement à se déplacer. Donc ça, c'est pour moi, c'est très important. C'est pour ça que des fois, j'hésite pas, comme des fois, les arrêts ne sont pas forcément droits. Normalement, les voyageurs doivent descendre par la porte arrière, mais dans certains cas, j'hésite pas à dire aux voyageurs, si je vois qu'il est un petit peu en difficulté, de le faire descendre par la porte avant. Présente sur plusieurs lignes du réseau Skibus, Cécile a continué à assurer le transport d'usagers lors du premier confinement. Le fait d'être à l'extérieur. Code confiné, non, c'est pas forcément. Non, j'aurais pas le choix. Je veux dire, je l'aurais fait. Mais non, j'ai souhaité continuer de travailler. Et quand il a été proposé le chômage partiel, non, moi, j'ai souhaité continuer. Comme Cécile, 14 autres femmes font partie de l'équipe de conducteurs des cars Perrier. L'entreprise féminise son équipe depuis 2013.
La fin d'année, c'est aussi l'occasion de remettre des récompenses. La deuxième édition du prix de l'innovation urbaine interdépartementale Yvelines-Hauts-de-Seine s'est déroulée récemment. Cérémonie à la scène musicale à Boulogne-Billancourt. L'objectif, mettre en avant les projets portés par les maires des deux départements. Au total, 7 prix ont été décernés. Parmi les communes récompensées, Poissy, lauréat dans la catégorie innovation architecturale, paysagère et environnementale pour la reconstruction de la Maison de Fer. C'est un édifice historique de la ville. La réaction du maire au micro de Justine Brasier. Moi, je suis né à Poissy, donc c'était plus un passionné de la ville de Poissy et un passionné de l'histoire de la ville de Poissy et cette transmission pour nos générations futures qui a fait que petit à petit, je ne vais pas dire pièce après pièce, mais on a essayé de rendre et de mettre, donner notre tôle à l'édifice. Aujourd'hui, ça devient un musée exceptionnel avec le concours du département des Yvelines. C'est la raison pour laquelle moi je suis très ému de me retrouver ici dans cette enceinte interdépartementale avec le concours de la région, de la ville évidemment, et puis un vrai travail collectif qui me fait dire que seul on va plus vite mais qu'ensemble on va plus loin. Un mot de sport à présent, l'Yvelinois Louis Burton est toujours engagé dans le Vendée Globe 2020, l'Everest des mers, tour du monde à la voile en solitaire, sans escale ni assistance. Le skipper de 35 ans, originaire de Rambouillet, est actuellement à la 11e position. Il est aujourd'hui au sud de l'Australie et s'apprête à fêter un Noël un peu particulier. Le reportage de Mickaël Elmidoro. Si les fêtes de fin d'année approchent, Louis Burton n'était pas en vacances ces derniers jours. Le skipper yvelinois de 35 ans a été victime de multiples avaries. Ses problèmes techniques l'ont poussé à se mettre à l'abri du vent pour réparer son bureau Valet 2. Il s'est réfugié à proximité de l'île Macquarie pour effectuer des réparations. C'est l'angoisse d'être aussi haut tout seul. C'est le bout du monde. Je sais pas si vous voyez bien le bateau. Ça fait partie des trucs les plus hard que j'ai fait de ma vie de navigateur. Donc maintenant, on va descendre sans se casser la figure. On va renvoyer la JV et on va allumer pour rentrer au SAP. Aujourd'hui, tout va bien. Louis Burton est en 11e position et remonte sur les autres skippers. Le navigateur peut commencer à se projeter sur les fêtes de Noël. Il a notamment une pensée pour les téléspectateurs yvelinois. Les fêtes de fin d'année approchent, alors voilà, comme... Je sais que vous me suivez depuis quelques années maintenant et c'est un grand plaisir pour moi. Je vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année. La course s'est très très bien passée sur la première partie jusqu'à la deuxième position. La route est encore longue. Prenez soin de vous, joyeuses fêtes de fin d'année, joyeux Noël. Le jour de Noël, Louis Burton ouvrira les cadeaux de ses enfants. Ces derniers lui ont glissé des surprises dans son bateau avant le départ. Le 25 décembre, il dégustera un bon plat au menu du foie gras avec des toasts et une bouteille de vin. Noël arrive, les vacances, elles, ont déjà démarré pour certains depuis presque une semaine. L'occasion de s'installer confortablement dans son canapé avec un plaid et pourquoi pas un chocolat chaud pour regarder un film. Pour vous, l'acteur yvelinois Cédric Nouet livre sa sélection. C'est au micro de Patrick Jacques de Dixmude. Bonjour, aujourd'hui je vous parlais du film Le Monde de Charlie, réalisé par Steven Spolsky, adapté du roman du même nom, toujours écrit par Steven Spolsky. L'histoire se déroule aux États-Unis au début des années 90. On suit l'histoire de Charlie, un nouveau jeune lycéen qui va être considéré comme bizarre par le reste de sa classe. Sa vie va changer quand il va faire la rencontre de deux terminales, Sam et Patrick, qui vont faire découvrir la vie de lycéen, mais aussi l'amitié, le monde des adultes ou même l'amour. Le film est un gros mélange d'émotions parce qu'on peut aussi bien rire et la minute d'après être triste. Charlie étant un souffre-douleur dans son école, mais qui peut être rapproché à ce que nous connaissons en France par rapport aux autres films d'adolescents américains qui extrapolent. Nous avons aussi le bonheur d'avoir trois acteurs pour jouer les rôles principaux qui ne sortent pas une fois de leur rôle et qui du coup ne nous font jamais sortir du film. Et je crois que tout cela, ajouté à la mise en scène et ajouté à plein d'autres éléments que je ne peux divulguer sans raconter tout le film, qui font de ce film l'un de mes films préférés. Et c'est donc pour cela que je ne peux que vous conseiller de regarder ce film qui traite de l'adolescence américaine comme je ne l'avais jamais vu auparavant. Merci d'avoir écouté et j'espère que vous aurez envie de voir ce film.
Avant de vous laisser, TV78 célèbre la fin d'année. La rédaction s'est mobilisée autour de Wilfried Richier et Patrice Carmouze pour une émission spéciale 2020 en 78 minutes pour revenir sur les grands sujets qui ont marqué cette année si particulière. Revenir aussi sur les personnalités de ces derniers mois et en pleine période de fête, quelques conseils forcément de chef étoilé pour préparer vos repas, des idées cadeaux pour faire plaisir à vos proches. 2020 en 78 minutes, émission à retrouver demain jeudi à 19h sur TV78 ou à voir dès maintenant sur notre site internet tv78.com. Voilà, c'est la fin de ce journal qui prend pendant quelques jours ses quartiers d'hiver. Retour de votre édition d'information locale en direct lundi 4 janvier à 18h. Mais d'ici là, ne vous inquiétez pas, l'actualité locale continue sur notre site internet tv78.com et aussi sur nos différents réseaux sociaux. Très belle fête de fin d'année à toutes et à tous. Portez-vous bien et prudence face à ce virus qui continue de sévir. Belle soirée avec TV78.